Pourquoi on commence par la fin pour comprendre le début? Pourquoi la fin d'un cycle, c'est le début d'un nouveau? Pourquoi s'arrêter quand on est au bout du chemin, alors que les chemins sont sans fin? Pourquoi les chats sont excités après avoir chié? Pourquoi on a envie de pisser juste avant de s'endormir? Pourquoi les Français disent 80 et pas 80? Pourquoi à 65 ans, on est encore jeune alors qu'à 35, on se sent vieux? Pourquoi quand on dit ça va, on répond bien alors que ça ne va pas? Pourquoi quand on baille, on fait bailler les autres? Pourquoi les gens qui sifflent sont les gens qui sont heureux? Pourquoi les gens qui chantent sous la douche sont les gens qui chantent faux? Pourquoi on devient végétarien et pas on est végétarien? Pourquoi l'homme s'endort après l'amour? Pourquoi c'est les femmes qui vont aux toilettes alors que c'est les hommes qui boivent? Pourquoi les hommes nous saoulent? Pourquoi les filles sont chiantes? La réponse est dans la question. Pourquoi quand on pense à haute voix? Pourquoi on a envie de le faire alors qu'on nous a dit non? Pourquoi on va chez le dentiste alors qu'on sourit plus? Pourquoi on baise alors qu'on peut faire l'amour? Pourquoi on fuit alors qu'on peut rester? Pourquoi on se quitte alors qu'on s'aime? Pourquoi être triste après une rupture alors qu'on pourrait être heureux? Pourquoi les filles pleurent ce que les hommes ont bu pour nous oublier? Pourquoi il faut faire des enfants comme si c'était une obligation? Pourquoi prendre une décision alors qu'on connaît la réponse? Pourquoi on promet ce qu'on ne sait pas? Pourquoi se relever après être tombé, savoir qu'il faut recommencer? Souffrir pour être belle alors que souffrir c'est moche. Pourquoi on est sympa avec les gens qu'on n'aime pas? Pourquoi on prend de haut ceux qui sont en bas? Pourquoi on a peur des étrangers alors que notre voisin est un inconnu? Pourquoi les gens communiquent avec leur portable alors qu'ils sont ensemble? Pourquoi on n'est pas capable de garder son calme quand un enfant perd le sien? Pourquoi on préfère se perdre que de demander son chemin? Pourquoi on nous dit pas, pourquoi on dit pardon alors qu'on nous a poussés? Pourquoi on dit c'était mieux avant, maintenant? Pourquoi vivre dans le passé alors que le présent c'est maintenant? Pourquoi vivre dans le futur alors qu'on le vivra dans le présent?
Pourquoi gagner sa vie alors qu'on la possède déjà? Pourquoi être conscient quand on peut être insouciant? Pourquoi rêver alors qu'on peut fuir la réalité? Pourquoi on commence par la fin pour comprendre le début? Pourquoi la fin d'un cycle, c'est le début d'un... Pourquoi s'arrêter quand on est au bout du chemin, alors que les chemins sont sans fin? Pourquoi s'acharner quand on est condamné? Pourquoi les chats sont excités après? Pourquoi on a envie de pisser? Pourquoi devoir accepter ce qu'on ne comprend pas? Pourquoi gagner en confiance ce qu'on possède déjà? Alors qu'à 35, on se sent vieux. Pourquoi affronter quand on se sent dépassé? Pourquoi avoir quand on dit ça va, quand tout s'accélère? On répond bien. Pourquoi quand on aille? Pourquoi chaque conversation se termine par la peur de l'actualité? Pourquoi les gens mentent quand ils sont heureux sont ceux qui chantent fou? Pourquoi on devient végétarien? Pourquoi on y revient à chaque fois alors qu'on n'y croit plus? Pourquoi c'est les femmes qui vont aux toilettes alors que c'est les hommes nous saoulent? Pourquoi les filles sont chiantes? Pourquoi regarder ce qu'on veut faire de toi? Pourquoi on va chez le dentiste envie de le faire alors qu'on nous a dit? Pourquoi on baise alors qu'on peut faire l'amour? Pourquoi on fuit alors qu'on peut rester? Pourquoi les filles pleurent ce que les hommes ont bu pour oublier? Pourquoi prendre une décision alors qu'on connaît la réponse? Comme si c'était une promesse. Ce qu'on ne sait pas. Pourquoi se relever après être... Pourquoi souffrir pour être belle alors que souffrir c'est moche? Pourquoi on prend de haut ceux qui sont en bas avec les gens qu'on n'aime pas? Pourquoi on a peur des étrangers? Pourquoi les gens communiquent avec leur portable alors qu'ils sont en soi? Pourquoi on n'est pas capable de garder son calme quand que de demander son chien? Pourquoi on dit pardon? Pourquoi créer quand tout peut s'annuler? Pourquoi accepter quand on peut se rebeller? Pourquoi on dit c'était mieux avant, maintenant? Pourquoi vivre dans le futur? Pourquoi alors vivre qu'on dans le passé dans alors présent? Que le présent c'est maintenant? Pourquoi vivre caché quand vivre c'est se libérer? Pourquoi gagner sa vie alors qu'on la possède déjà? Pourquoi se taire quand on peut questionner alors qu'on peut fuir la réalité? Pourquoi on a peur pourquoi de la mort alors que souffrir, souffrir c'est grandir? Pourquoi s'acharner? Pourquoi quand devoir on est accepter ce qu'on ne comprend pas? Pourquoi gagner en confiance? Pourquoi qu'on affronter déjà quand on se sent dépassé? Pourquoi avons-nous pourquoi besoin de chaque conversation se termine par la peur de l'actualité? Pourquoi on revient à chaque fois? Pourquoi regarder ce qui nous effraie le plus? Pourquoi créer alors que tout s'annule? Pourquoi accepter quand on peut se pourquoi rebeller? Pourquoi vivre caché quand vivre c'est se libérer? Pourquoi se taire quand on peut pourquoi questionner? Pourquoi être ensemble nous sépare? Pourquoi être ensemble nous sépare? Pourquoi il y a des gens? Pourquoi il y a des gens pas qui n'aiment pas les gens? Pourquoi il y a des gens qui n'aiment pas les gens?